Aujourd'hui, je suis trop contente de te retrouver pour une vidéo dégustation spéciale salée. Enfin. Donc aujourd'hui, j'ai commandé Uber Eats. Comme toujours, j'ai envie de te dire, les mauvaises résolutions pour cette année, c'est pas parti. Alors donc j'ai commandé sushi shop et normalement c'est censé arriver dans pas longtemps. Donc en attendant, je me suis dit je vais commencer la petite intro. Et oui. Donc comme tu l'auras remarqué, j'ai un nouveau décor. Encore une fois, je pense que ça restera comme ça pour le moment. Parce qu'en fait, de base j'étais assise sur mon lit et j'avais super mal au dos. Je devais me mettre contre le mur, donc c'était très très compliqué. Et je me suis dit bah écoute, je vais mettre juste devant ma porte. Là il y a les escaliers. Donc je me suis dit bon, on va faire comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc dis-moi si tu préfères ce nouveau setup entre guillemets. Mais voilà, j'aurais dû y penser avant d'ailleurs. Parce qu'en vrai, là, je trouve que on est mieux. Après, derrière, j'essaierai d'acheter, je pense, des petites lumières. Donc j'avais des LED au début de ma chaîne. J'ai pris bien évidemment des mochis, j'en ai pris deux, mangue passion et noix de coco, et je n'ai jamais goûté de mochi de toute ma vie. Et j'ai toujours voulu goûter pour voir ce que ça donne. Parce que généralement, moi j'aime tout. En termes de nourriture, je suis pas hyper compliquée. Donc bon. Et j'ai pris du coup un menu smart, donc un plateau amateur mix, une soupe miso, avec les sauces wasabi, gingembre, et du coup les deux petits mochis.
Ce que je vais boire.
Du coup.
C'est assez.